Alors, pour les petits, là, je te propose un petit travail en mathématiques. Alors, sur cette carte-là, nous avons quatre copains. Ces quatre copains ont très faim. Il faut leur donner à manger. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des petits biscuits. Et les petits biscuits, nous allons les représenter. Alors, moi, j'ai des billes. Mais peut-être qu'à la maison, vous n'en avez pas. Alors, peut-être que vous avez des pièces ou des petits ronds de carton. Ça suffira. Et là, les biscuits, il faut aller les chercher. Donc, il faut aller les chercher un peu loin. C'est-à-dire que, par exemple, si tes petits animaux ont faim, il faut aller chercher les biscuits dans une autre pièce de la maison. C'est-à-dire que papa et maman auront mis une petite réserve de... Là, c'est des pièces, c'est des billes, mais petite réserve de biscuits dans un autre endroit de la maison. D'accord? Donc, pour cela, j'ai le droit de faire que un seul voyage. C'est-à-dire qu'il faut que je mémorise, que je me rappelle de la quantité à apporter. Par exemple, là, j'ai trois phoques et un pingouin. Donc, allez, je m'en vais. À tout à l'heure. Alors là, je suis revenu et j'ai été chercher en un seul voyage un biscuit pour un phoque. Est-ce que ça va tenir? Non. On va le poser par terre et je vais vous montrer un peu mieux. Alors, regardons voir si vous arrivez à voir là. J'ai apporté un biscuit pour un phoque, deux biscuits pour un autre phoque, un troisième biscuit pour ce phoque-là et un quatrième pour le pingouin. Donc là, j'ai dû me rappeler qu'il y avait trois phoques et un pingouin. Donc, ils n'ont droit qu'à un seul biscuit chacun. Si tu te trompes, si tu n'en as pas assez, tu dois repartir poser tes biscuits et reprendre le nombre qu'il faut à chaque fois. Et je t'ai préparé six cartes avec des petits personnages que les pirates ont croisés au pôle Nord ou au pôle Sud. Voilà. Donc je te laisse travailler. Bon courage, amuse-toi bien avec papa et maman.